Évidemment, je suis très impressionnée par la mobilisation du village, enfin du quartier plutôt de bon, qui a lieu ici. Ça fait maintenant 6 ans que la ville de Lille soutient les actions de RIPI sur les dépistages divers. D'abord le paludisme, puis aujourd'hui, là maintenant, le diabète et la tension artérielle. Je crois que c'est très important parce que, d'une part, évidemment, il y a le travail auprès de la population et puis à double sens pour la coopération. Il y a aussi la formation des professionnels de santé qui permet évidemment d'être sur le terrain et de montrer que ce qu'on fait a du sens. Le partenariat avec RIPI, c'est de poursuivre ce partenariat parce que c'est très important. Hein. Il y a des formations de professionnels de santé à Lille et ici des actions sur le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on espère que l'association va pouvoir se développer. Elle a réussi à mettre ici en place des agents relais pour la prévention. Je crois que c'est ça le sens, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut que ce qu'on initie à Lille soit approprié localement et que ça devienne un outil au service de la population ici.